en fait, je me suis aperçu qu'en marge de mes romans, qui c'est vrai constituent le sillon principal de mon travail, j'avais quand même écrit pas mal de nouvelles ces dernières années, notamment pour des revues. Hein, on nous commande souvent des textes courts. Et je viens de là, en fait. Quand j'étais adolescent, c'était un format qui correspondait très très bien à l'ado que j'étais, quoi, qui avait des devoirs à faire. Donc j'écrivais beaucoup de nouvelles. Et comment c'est venu ? Ah, je crois que j'en ai relu certaines et je me suis aperçu qu'elles parlaient toutes de la même chose, d'amour. Là où l'amour était un motif beaucoup plus secondaire dans mes romans. Et quand je m'aperçois de ça, généralement, ça me donne envie de corriger le tir. Je m'étais fait la même réflexion avec les femmes. Un jour, je m'étais dit, tiens, les femmes ont toujours des rôles secondaires dans mes livres. Et j'avais écrit La disparition de Richard Taylor, qui est un livre qui n'est fait que de femmes. Donc là, c'est un peu la même chose. Je me suis dit, tiens, toutes ces nouvelles parlent d'amour et dans mes romans, c'est toujours au second plan. Consacrons un livre à l'amour et dans la forme courte, parce que j'avais envie de ça. Il y a un très, très grand plaisir, en fait, à écrire un texte et à savoir qu'on peut s'arrêter à la page 3 ou en écrire 60. On se surprend du coup soi-même. Le roman, quand même, c'est une course de fond. Moi, j'ai toujours un ou deux blocages par roman. Il y a un moment, je ne veux pas dire qu'on force le geste, mais il faut quand même aller au bout d'une logique qu'on a installée. On est l'artisan, mais il y a un moment, c'est pas que ça nous échappe, mais il faut aller au bout. Et un roman, bien sûr, ouais, ça ne fait pas 30 pages. Donc il y a comme ça quelque chose de l'ordre d'une composition. J'avais envie de sortir de ça et d'expérimenter de nouveau cette grande liberté qui consiste à ne pas savoir à l'avance combien de signes il y aura, combien de pages il y aura, et à se laisser surprendre. Dans ce recueil, on est dans le quotidien, dans un prosaïsme, à ceci près que l'état dans lequel sont plongés les personnages est un état d'exception, puisque c'est la passion amoureuse. Donc il y a ce mouvement contradictoire. J'ai été chercher des situations très anodines, mais à chaque fois, les personnages sont traversés par des états qui ne le sont pas. Voilà. Donc oui, ce sont des tranches de vie. On est toujours, comme le titre l'indique, pas exactement l'amour, on est toujours en périphérie d'une eau étale. C'est jamais étal, c'est jamais calme. Soit qu'on est avant la rencontre, avant l'amour, soit qu'on est dans la passion, qui a ce caractère très pathologique et symptomatique, soit qu'on est après l'amour, quand l'amour est mort, quand l'autre est parti, quand l'autre parfois est mort. Donc voilà, j'ai essayé d'explorer toutes ces situations où on est un peu comme un nageur qui est emporté par un courant violent et qui essaye de rejoindre la côte qui serait cette chose que je connais pas personnellement, qui serait l'amour. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de situations très ordinaires. Je sais pas, ce qui me vient à l'esprit, c'est cette femme qui remarque un jour que l'une des choses qu'elle aime chez cet homme, c'est qu'il ne range rien à la bonne place, il dérange tout, notamment dans la cuisine et la salle de bain. Et elle prend un plaisir particulier, un plaisir amoureux, une délectation à ranger derrière lui. Cette chose qui peut être exaltante pendant quelques mois et qui, à mon avis, devient sacrément emmerdant au bout de quelques années. Mais c'est ça aussi l'amour, hein. C'est une espèce de filtre qu'on a devant les yeux et qui nous fait voir ce que j'évoquais à l'instant, le prosaïsme du quotidien, d'une façon tout à fait enchantée, quoi. Je crois que j'aurais aimé correspondre avec Marguerite Duras. J'ai plusieurs... Il y a plusieurs figures féminines comme ça en littérature que j'adule. J'assume le mot, tant pis, je suis assez midiné, j'aime ça au fond. Alors vous voyez, Françoise Sagan, par exemple, j'aurais aimé passer des soirées avec elle. Duras, je ne sais pas si j'aurais adoré la connaître, parce que c'était quelqu'un qui pouvait être aussi assez dur. Noguès en a vachement bien parlé de ça, de cette amitié qui s'est terminée quand même de façon très cruelle. Alors peut-être que j'aurais préféré correspondre avec elle, être dans cette sécurité de la correspondance.
Mais c'est une femme qui me passionne tellement, autant dans ses livres que dans tous les entretiens d'ailleurs qu'on peut voir, les films de Benoît Jacquot, les entretiens avec Pierre Dumayet. C'est une femme d'une telle intelligence. Alors la correspondance aurait eu cet aspect négatif que j'aurais pas pu l'entendre rire. Parce que s'il y a quelque chose, il y a quelques archives disponibles où on l'entend rire. Elle passe toujours pour une femme extrêmement compassée, sérieuse, sinistre. Mais elle avait un rire absolument magnifique. Les crises de fou rire de Marguerite Duras, c'est mythique. Mais bon, voilà, si j'avais comme ça, si on pouvait réaliser un de mes rêves non advenus et impossibles aujourd'hui, ça aurait été ça, écrire quelques lettres à Duras et recevoir ne serait-ce qu'une réponse. Je suis venu aux correspondances de Manosque, je crois, la première fois il y a 13 ans. On m'avait proposé de faire une lecture croisée avec Olivier Adam. Et c'est là que j'ai découvert ce plaisir inouï qui est d'être sur scène. C'était dans la petite salle du théâtre Jean Le Bleu. Et je suis devenu ami avec un certain nombre de membres de l'équipe, Olivier Adam, Olivier Chaudançon. Et ils m'ont proposé de les rejoindre à la programmation. Voilà. Et c'est vrai que quand on ne vit pas encore totalement de ses livres, il arrive de chercher des métiers. Et on cherche plutôt des métiers en rapport avec la littérature. Et comme je suis un grand admirateur dans la vie, c'est un moteur d'admirer les autres, j'ai été très tenté de dire oui et j'ai dit oui. Donc voilà, j'ai rejoint l'équipe de programmation et donc ça fait 12 ans qu'avec mes petits camarades, je lis la rentrée littéraire, on parle, on échange et on a ce grand plaisir d'inviter des auteurs, de les convier à des conversations, à des lectures, à des créations. Voilà, et j'aime beaucoup ça, de tout d'un coup d'être plus sur scène, mais dans l'ombre, en coulisses, quoi. Ce que j'ai fait, par exemple, hier avec Virginie Despentes, j'ai assisté au spectacle en coulisses, et c'était un privilège, quoi, de se dire qu'on avait essayé d'inventer quelque chose en sollicitant l'auteur, et qu'elle a, avec son groupe Zéro, tellement travaillé, et qu'elle nous a fait ce cadeau de cette lecture. Voilà, donc ça fait 12 ans, et je travaille de même avec Olivier Chaudançon à la Maison de la Poésie maintenant. Et j'aime beaucoup ça, mettre les autres en lumière et essayer de transmettre mes admirations. Prochaine édition des correspondances, il va nous falloir être vivant, ce qui est toujours de l'ordre de l'incertitude. je ne sais pas, on n'a pas encore terminé cette édition, donc je ne sais pas ce qui nous attend l'année prochaine. C'est vrai qu'on cherche toujours à surprendre le public et à nous surprendre nous-mêmes, au premier chef, quoi. Tous les ans, on essaye aussi de réaliser des rêves. On n'avait jamais travaillé avec Virginie Despentes, toujours elle. On en rêvait. Donc il y a aussi ça, il y a solliciter, être fidèle à des auteurs qu'on aime, mais il y a aussi découvrir des auteurs, faire découvrir de jeunes auteurs au public et puis réaliser de grands rêves. Je me souviens quand Emmanuel Carrère est venu ici, c'était très important pour nous. Voilà, des grandes figures comme ça. Donc on va y réfléchir, mais pas tout de suite. On va d'abord refermer cette édition.